pièce de Maria Koleva. Des personnages troublés par un accident, un couple se retrouve devant un événement très grave. Une maison brûlée. Alors, devant un événement très grave, qu'est-ce qui se passe? Tout se remonte, tout se sent, tout se ressent. Et voilà, le père, la mère, la fille. Et la fille qu'on connaît, qui connaît mal ses parents et que ses parents connaissent quelque part assez mal aussi, qui n'ont pas pu, les parents n'ont pas pu la suivre comme il le fallait dans son évolution, puisqu'elle est partie faire ses études, elle a été chassée très tôt de la maison, pas partie, pas sortie, mais chassée, dit-on, dans la pièce. Donc c'est un régime très dur autour de cette famille. Et voilà, la résidence secondaire avec Jean-Marie Blanche, Jennifer Beck et moi-même, Christiane Régnon-Granel, dit Chris. Alors, ma'am, tu vas bien, ma'am? Oui, ça va, on est là, on est arrivé. Tu respires? Dis-moi, Tate, as-tu vu ce matin de la voiture notre belle congère sur la montagne? Elle a fondu trop tôt cette année. Hein? C'est bien la première fois que ça lui arrive. À chaque fois sur la route, je pensais. Quand la neige fondra, l'été se rapproche. Dad, tu te rappelles notre terrasse avec sa fine herbe entre les dalles comme un jardin de couvent? Tu te rappelles? Oh, mes dalles de basin, qu'elles peuvent résister à toute épreuve. Oh, au début, il y avait de la mauvaise herbe qui poussait entre les dalles. Ensuite, nous avons semé cette belle herbe, cette sagine plus douce qu'un gazon. Et ce bout de jardin où nous avons essayé de construire une piscine. Et la terre s'éboulait. Et on s'acharnait. Et cela recommençait. Elle était trop friable. C'était évident. Et nous, à nouveau, on recommençait quand même. Enfin, nous avons compris. Le projet fut abandonné. Cette petite preuve de savoir-vivre n'a pas été faite à cet endroit. Tu as voulu garder la flore sauvage? Des longues, très longues tiges, comme des bijoux, bougies énormes, duveteuses. Tiens! C'est maintenant que nous aurions besoin de bougies pour éclairer ces ruines. Regarde, qui a incendié ma villa? Ma villa? Pourquoi dis-tu ma villa? Je ne t'en ai jamais parlé. Je me suis toujours tue. Mais elle est à moi. Tu n'as même pas un dixième de la villa. La villa est à moi. À moi. En fait, tu le sais bien. Qui a acheté le terrain alors que tu ne voulais pas de propriété? Tu ne voulais rien posséder, la possession pervertie. Hein? Disais-tu, oh pape, les nobles, les belles idées que tu avais sur l'humanité. Hein? Mais maman, la villa, elle n'existe plus. Qui incendier ma villa? Cette résidence secondaire est à moi toute seule. Tu te rappelles comment j'ai fait ce petit voyage à travers le pays à la recherche d'objets rares? Il plaisait beaucoup à nos invités. Au moins, nous en avions peu. Hein? On m'avait proposé beaucoup d'argent pour certains, le chaudron en cuivre, la petite armoire paysanne avec l'inscription à Marie l'aimée 1800, les plaques de cheminée et puis cette couverture tissée à la main, jaune et bleue. Eh oui, elle était splendide. Mam, ah, t'étais heureuse de trouver le linge avec lequel ma grand-mère emmaillotait ma mère. Oui, c'était de la grosse laine de Déboudja. Ah, oui. Nous l'avions accroché comme un rideau dans mon petit bar. Et puis, de couleur bleue, jaune, mais surtout noir. Oh, ben noir, noir, pour que les Turcs ne remarquent pas le bébé. Oh. Ah, mon linge sur la fenêtre de ma villa. Ça suffit.
Tant que ma villa existait, je ne pouvais sourire avec indulgence et te pardonner. Je me disais, il pense que la propriété lui appartient. Peu importe. Mais c'est moi qui ai payé. C'est moi qui me suis entendue avec l'architecte. C'est moi qui me suis pratiquement occupée de tout. De tout? Ah, regarde. Regarde même. Le carreau, hein? Ah, je me suis levé de bonne heure pour aller le chercher à 5 heures du matin. Et j'ai longuement marché avant d'aller travailler. Ah, j'ai fini par trouver ces ravissants carreaux bleus. Notre salle de bain parsemée de fleurs bleues. C'était déjà la mer. La mer, la mer, eh oui! Nous n'y sommes pas retournés depuis bien longtemps, n'est-ce pas? Ouais. Tu te souviens de la mer? Ah, Tate. Elle était salée, non? Ah oui. J'ai oublié son goût. Ça fait combien d'années déjà? Oh, 7, 8. Oh, 7 ou 8, c'est comme si nous n'y étions jamais allés. Et les soirées avec les amis? Près de la mer. Nous avions des amis, Tad. Je n'en ai plus le souvenir. Hein. Bien sûr. Ah, il y avait des amis qui venaient dans ma résidence secondaire. Non, pape. Les amis venaient uniquement pour s'extasier. Tu étais tellement pointilleux, si fier du revêtement, du parquet et du marbre. Que tu avais fait venir de loin qu'il marchait sur la pointe des pieds. Tu ris. Mais comment a-t-elle pu brûler ma villa, hein? Comment? Dis, ma'am, qui a pu mettre le feu? Personne. C'est la foudre qui nous a frappés. Dieu n'a pas voulu qu'on vive heureux ici. Il voulait nous faire mourir de chagrin. Et que vont dire les amis? Les amis, oh, les amis, quels amis? En hiver, nous ne voulions pas les inviter pour qu'ils n'apportent pas de la neige dans les champs, pour pas qu'ils fassent tomber les braises de notre cheminée, lui 15, hein, sur le plancher. Ouais. Et puis nos départs, la peur des flammes. Ah, notre œuvre au bûcher, quel cauchemar! L'été, ça t'irritait quand il marchait sur le gazon et quand il cassait une branche dans le cerisier, il fallait t'entendre. Plus d'amis maintenant, pas plus d'amis, seul le père s'assit. Ah, il sera peut-être. Oui. Avec nous, peut-être. Oui, oui. Ah, le père Sassi. Ah, c'était qu'un petit entrepreneur. Ouais. Ah, mais ma villa, c'était son épouse, ma villa. Et parfois même, j'en étais jaloux. Hein. Ah oui, oui, jaloux. C'était toujours lui. Il décidait s'il fallait mettre une grille ou des barreaux. Ah, ah, la villa l'a transformé. Et il est devenu un homme fin, un homme intelligent, un homme... Le pauvre, il vit si seul. Toute sa vie à construire des villas, ce sont-elles ses enfants? Oh. Mais a-t-il beaucoup d'argent? Il y a quelques années, notre fille nous a dit qu'il nous volait. Ouf. Mais avec elle, hein. Et je gagnais beaucoup à l'époque, n'est-ce pas? Ne revenons pas sur ces questions mesquines. Ne revenons pas sur ces questions mesquines. Les meilleurs avaient déjà un appartement et une résidence secondaire à la campagne. On bavardait par-dessus la clôture un jour. Ils nous ont dit, tu te rappelles ce qu'ils nous ont dit? Ah oui, ils nous ont dit qu'avec l'argent gagné depuis 20 ans, il nous aurait été facile d'avoir deux fois plus de biens qu'eux. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils nous méprisaient. Parce que nous n'avions rien.
Mais nous voyagions. Ah, une fois nous sommes allés à Paris, tu te souviens? Un petit hôtel avec des miroirs partout. Soudan, embrasse-moi. Qu'il était intéressant, hein, de s'aimer alors. Hein? Je voudrais que tu m'embrasses, Non, Bab. mais ma la résidence secondaire a brûlé et elle n'existe Et ce plus. musée, il y avait tant de belles sculptures. La malle, pape, la malle. Est-ce qu'elle a brûlé aussi? On gardait les reproductions dedans. Oh, la reproduction des mains énormes, puissantes. Noueuses taillées dans du bois, les mains d'un homme qui s'accroche au ciel. Il s'accroche au ciel, mais sa tête regarde vers le ciel. Le sculpteur, c'était Zadkine. Oh, pape, pourrions-nous nous élever jusqu'au ciel avec notre résidence secondaire? Je veux dire, avec ce qu'il en reste. Que veux-tu dire, ma'am? Je retrouve la beauté et la finesse de ma villa, même dans les cendres. Et notre air, hein, tout autour, tu vois? Si bon, si pur. Ah, peut-être que les amis, eh ben, ils nous aideraient. Comment nous aider? Est-ce que ça ne te picote pas la gorge? Et les yeux me brûlent, pape. Merveilleux l'air chez nous. Regarde, à 5 mètres de la clôture de chez les meilleurs, il est déjà tout à fait différent. Il est pollué là-bas. Ah, c'est un autre air, ma'am. Les voisins, ils doivent pas avoir le même air chez eux. Non, non. La villa, maman, la villa, Rebâtir à nouveau, rebâtir à nouveau. Ouais, c'est toi qui le dis. Tu ferais pas ça. Moi, je le dis pas. Mais c'est pas possible. J'en ai pas la force. J'en ai plus les moyens. Mais si nous recommencions, est-ce que les amis, ils nous aideraient pas? Il ne nous aiderait pas. Il n'existe plus. Il y a longtemps que nous n'avons plus d'amis. Les uns sont occupés à bâtir leur résidence secondaire. Les autres, nous ne sommes plus des leurs, tate. Nous n'avons plus rien à nous dire. On se croise dans la rue par hasard. On reste côte à côte. Crois-tu qu'ils ont encore des yeux? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. On ne s'est pas regardé depuis longtemps. Que pouvons-nous leur demander? Ils sont peut-être morts. Nos amis sont-ils morts? C'était il y a très très longtemps. Nous, nous avions dévoré le poisson que tu avais fait cuire dans le grenier. Ah oui, tu te rappelles, man, le grenier? On venait de tomber amoureux l'un de l'autre. Et le poisson? Je l'avais acheté chez Christo, oui, le poissonnier en bas de chez nous. Pour les amis que nous cachions, c'était pour eux. Ah, et la police, elle était partout. On nous cherchait. Ah, oui, tu citais les lois par cœur. C'était ton dernier examen d'avocate. Ah, et tu ne les connais toujours pas d'ailleurs. Mais
La loi, elle était de notre côté. D'après toi, oui. Et c'était vrai. Et c'était vrai. Nous n'avions rien à perdre. Nos parents nous avaient chassés. Notre amour leur était incompréhensible. Ah, nos parents. Quand je pense à mon père, il était généreux. Il était même bon. Nous avoir chassés de cette manière. Et moi, je me préparais à être chimiste et toi, avocate. Mais Sofia, hein. Tandis que... Il nous voyait étudiants, quelque part en Europe. Mais nous voulions autre chose. Parce qu'on s'aimait. On s'aimait dans la lutte. Oui. Nous voulions être comme nos camarades et rêver ensemble le temps qu'on vivra. Tu veux dire en harmonie, le mot est harmonie. Ouais. La vie de mes parents, elle me semblait ennuyeuse. Mmh. Ah, parfois le vieux, il jouait du violon. Eh. Ah, puis on partait en excursion. Ah, la famille, toute la famille avec beaucoup d'amis. Est-ce que t'as fait tes devoirs? On me demandait tout le temps. Hein? Hein? Comme ça. Sans trop de bruit. Tu sais, ils étaient tout simplement honnêtes. Hein. Entends-tu bourdonner le premier... quelque chose, non? Un hanneton! Au printemps? Ah oui. Quand mon père entendait le premier bourdon, il plantait son premier péché. Et moi, lorsque j'ai entendu le premier hanneton, le premier bourdon, oui, j'ai commencé à construire ma résidence secondaire. Nous avons commencé à construire. Tu as commencé à construire. Nous nous sommes fâchés à mort. Tu es venu, tu as regardé dans le fossé les ouvriers. Au fond, puis subitement, tu as commencé à hurler, à trébucher, à donner des coups de pied dans les mottes de terre. Oh. Tu as ramassé les outils, tu en as fait un tas, et tu as dit au père Sassi de déguerpir. Oh, mais le pauvre homme, enfin. Oh, qu'est-ce qu'on lui a fait voir, quand même. Par ta faute. Oh, non. Non, c'est la nôtre. Après, nous ne nous sommes pas parlé pendant longtemps. Tu boudais. Je ne t'avais pas prévenu quand j'ai acheté le terrain. Je t'avais caché que j'allais construire. Tu es venu un jour. Quand les murs s'élevaient déjà. Ah, les murs. Voilà. Et qui? Qui a incendié ma villa? Tu es allé au café avec le père Sassi. Pour moi, un coup. À moi, tu ne me parlais toujours pas. Oh, ça m'était quand même pénible. J'étais un peu triste. Ah, tu pouvais être triste. À cause de moi. Et pourquoi n'es-tu pas triste maintenant? Maintenant que la ville a brûlé. Triste! Triste, j'ai envie de tuer, d'égorger celui qui a détruit ma villa, celui qui m'a détruit. Même les pieds de la petite table étaient taillés à la main. Chaque cercle de la porte en fer forgé, aussi bien qu'au 16e, qu'au 14e siècle, une vraie œuvre d'art. Ouais. Mais le père Sassi, il avait trop bu. L'eau de vie était forte, hein. Et il s'est mis à parler. Ah, c'était quand même un homme bien, hein, ce père Sassi. Il a dit quelque chose qui t'a fait très très peur. T'as même pleuré. Tu lui as dit... Tu voulais pas construire et que tu n'avais pas besoin de la maison de campagne.
Oui, le soleil se couchait. Et j'ai eu envie de pleurer. Nous aimions, toi et moi, voir le soleil se coucher. Tu m'embrassais et je respirais à travers toi. Tu rentrais avec le jour qui tombait. Tu répétais, tu es belle. Tu es belle. Et je devenais belle. Ah oui. Et puis il y a eu cette parole. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que le père Sassi avait dit, pape? Qu'est-ce qui... Maman, attends. Il a dit... Il a dit... Oh, je suis douce. Mais qui diable a incendié la villa? Dis-moi! Regarde-moi donc cette lanterne, idiote! Cette sauvagerie-là, juste en face de moi! Et dire que c'est peut-être elle qui a fait l'étincelle! Quoi, une invention? C'était une invention de ta fille? Oh! Ah, ta fille! Mais c'est aussi ta fille! C'est aussi ma fille! Ouais. Oui, pape! C'est moi qui l'ai mise au monde. Hein, cette petite lanterne-là, tu l'aimais bien, hein? Tu étais ravie de cette lanterne, tellement que tu as donné la permission à ta fille de venir ici avec les autres enfants. Les saletés qu'ils ont pu faire. J'ai passé 2 jours, rien que pour nettoyer les taches d'huile sur le plancher. Et moi? Et moi qui lui défendais de venir ici, avec ses amis. Elle n'est pas revenue, hein? Elle doit haïr le père Sassi. Oh, tu sais, elle s'intéresse qu'à mon argent. Oh, d'après elle, le père Sassi, il me vole tout le temps. Il te trompe. Ah, ce petit bonhomme si doux, un jour. Ah, ouais, il te trompe. Eh oui, un jour, lorsque j'hésitais à construire, il est venu, il m'a prise par la main. Il m'a emmenée sur le terrain. Il n'avait pas bu, hein. Et il m'a parlé longtemps de notre amour qui serait plus beau loin du monde. Personne ne pourrait nous faire du mal chez nous. Aucun affront n'est possible dans notre villa. Je lui étais tellement reconnaissante. Tu m'avais dit qu'il te trouvait belle. Moi? Jamais? Ce pauvre solitaire à qui j'offrais un petit café après une journée si lourde. Sur notre chantier, hein? Cet homme adorable qui se sacrifiait pour notre bonheur. Il nous a construit notre villa, pape. Méditate. Est-ce que la construction n'a pas duré un peu trop longtemps? Oh, trop! Trop! Et d'abord, il n'y avait pas tous les matériaux nécessaires. Et puis cette soirée où j'avais bu avec le père Sassi, hein? Toi, t'hésitais un peu pour construire la maison, tandis que moi, c'était déjà fait. Oh, tu t'étais résigné. Bon. Oh, je me suis dit que la vieillesse, elle allait arriver. Alors, il fallait bien, toi, quelque chose que de sûr. Quelque chose à soi, c'est normal. On peut pas être toujours jeune. Ah, ça irritait les gens. Et il y avait quelque chose chez nous. Et ça irritait les gens. Parce qu'on s'aimait et on s'aimait librement, tranquillement et simplement. Je me suis dit, tous ont déjà réussi à faire une résidence secondaire, hein. Et elle est meilleure aussi. C'était inconfortable, hein? Ouais, c'était mal vu. Laid de se retrouver comme ça, tout seul, sans rien. Et ils nous ont raconté que leur fille, elle venait souvent
avec son petit enfant. Ah, j'ai pensé que ça serait bien, un jour, l'enfant de ma fille puisse jouer ici, devant notre petite villa, au soleil, sur la fine herbe. Des enfants. C'est tout ce qui nous manque ici. Ils saliraient tout. De toute façon, ta fille n'aime pas les villas, elle est toujours dehors. Voilà. N'apprécierai jamais assez le bonheur d'avoir ma résidence secondaire. Ma résidence secondaire. Tirer la clé de sa poche et la mettre dans ma belle serrure achetée à l'étranger. Ah, ouais. Ah, tiens, les nôtres, elles se détraquent vite, hein. Oh, elles ont rien de sûr, non. Mais il s'est passé beaucoup de temps avant qu'on ait pu les mettre, hein, ces serrures. Mame, pourquoi tu t'es mis à pleurer le soir où il y avait un si beau coucher de soleil? Parce que le père Sassi avait dit quelque chose. Ses paroles, il avait dit qu'il avait construit beaucoup de villas, mais... Beaucoup de villas, oui, mais jamais comme la nôtre. Les chaises, ce petit bar unique au monde, les chaises ont des pieds comme ceux d'une biche. Chaque verre dans la petite armoire paysanne vient d'un endroit différent et chacun a été soufflé par un artisan. On ne sait plus les faire aujourd'hui, hein? Hé, hey, regarde la cruche de ta grand-mère. Attention, mame! Et touche pas, tu vas te brûler. Et reviens ici, allez! Tes chaussures vont prendre feu! Enfin! Oh, t'es vraiment romantique. Hein. Tu m'empêches toujours de rêver. Toujours, tu m'as empêché de rêver. Oui, oh, une fois, j'ai parlé ici avec mon ami. Ah, lui, c'est un vrai ami. Hein. Oui. Eh oui. Oui. Quand il entra, ce fut comme si le temps était de revenu. Il ne buvait pas plus qu'avant. Il était très pur. Mais est-ce qu'il vit encore? Il doit être vivant. Nous ne sommes pas vieux, n'est-ce pas, maman? Eh bien, nous sommes deux vieux. Très fatigué dans une résidence secondaire qui a brûlé. Voilà. Mais pourquoi a-t-elle brûlé? En effet! Toute la soirée, ton ami avait farfouillé avec le beau tisonnier de ton arrière-grand-mère dans le feu de la cheminée. Et moi, je tremblais de peur, de peur qu'un bout de braise ne tombe sur la natte et qu'on parte sans s'en apercevoir. Oh. Mais l'ami, rappelle-toi, quel ami c'était. Ah, quand il y a eu la grande rafle, hein, on était ensemble. Et il est parti pour qu'on l'arrête pas chez nous. Ah, c'est bien ça. Et chaque fois qu'on entendait des coups de feu dans la rue, moi je pensais que c'était lui qu'on avait tué. Eh oui, et puis quand il y a eu danger pour les poumons du petit, ou de mon autre petite, et qu'il n'y avait plus rien à manger, il lui apportait chaque jour quelque chose enveloppé dans un grand mouchoir blanc. Tu sais pas, plus non plus, hein. Comme ta fille ne supportait pas le père Sassi. Une fois, j'ai écouté aux portes. Oh, maman, t'as pu faire ça. Oh. Ah oui, si justement, sans le vouloir. Ah. Puis, j'ai entendu qu'il lui disait... Quoi? Le père Sassi? Oui. À travers le nez? Oh, la fumée, c'est terrible. Le père Sassi les plumes. Mais ne t'en fais pas. Ils en ont assez. Ils ont assez de sous. Il leur en a déjà tiré tellement. qu'ils ne voudront jamais admettre à quel point ils sont imbéciles. Imbécile? Non, c'est pas possible. Le cher père Sassi, enfin, ça peut pas être lui. Combien ils ont été imbéciles d'avoir eu confiance en lui.
Pour ton père, ce sera un affront dans sa confiance en l'homme et ta mère, qui se croient si rusés. Ne trouble pas leur peine, hein, leur quiétude, leur travail. Ton père, le travail de ton père est très lourd. Il a tant de responsabilités. De toute façon, pour toi, l'argent, ça n'a pas d'importance. Mmh. N'est-ce pas? Et voilà. Ah, oui, un ami. Depuis quand je l'ai pas vu, moi, l'argent, ça m'a jamais intéressé, non. Tu te souviens combien nous en avions peu? On n'avait pratiquement pas le sou, hein. Je me souviens, après notre mariage, nous sommes allés dans la montagne. J'avais emporté un petit paquet de haricots secs que ma sœur m'avait donné. Mais je ne savais pas que c'était si long à cuire. Oh ben oui. On sera encore à attendre si le garde du chalet ne nous avait pas donné du fromage. Ah, souviens-toi, je suis allé une fois à un débat idéologique avec les sociaux-démocrates. Ils avaient décidé d'avance de battre le négociateur. Ah, les derniers temps, ils étaient furieux. Ah oui, je pensais les convaincre de pas casser la grève. Et puis rien. Et oui, la nuit, je t'attendais. J'attendais que tu rentres. Je regrettais de n'être pas partie avec toi. C'était si dangereux. Et puis, j'ai aperçu la lueur de ta cigarette dans la rue. Ah oui, je fumais à ce temps-là. Ah, le débat était cruel, tu sais. J'ai réussi à les entraîner quand même. Après, ils m'ont invité à dîner parce que j'avais raison, tout simplement. Et tu vois, on mangeait parfois bien. On avait toujours un petit quelque chose à manger qui nous attendait chez nos parents. Tout simplement, nous ne voulions pas être avec eux, mais avec nos amis. Ah, les parents étaient si heureux quand ils ont vu la villa. Dommage, parce que ce n'était qu'au début, hein. Les meilleurs leur avaient dit qu'ils nous avaient coûté trop cher. Oh, notre ami aussi était heureux pour nous. C'était une nuit comme aujourd'hui, quand il est venu pour la première fois. Il n'a plus mis les pieds ici depuis cette soirée de la cheminée. Il passait quelquefois à l'appartement. Et qu'est-ce qu'il disait? Tu t'en souviens? Oui, il disait, tu jeune et belle. Jeune, belle. Hein? Et je le resterai toujours. Ah oui. Mais les nouveaux châssis de ma fenêtre en aluminium... Ils l'ont pas passionné. Mais c'est un ami, ça. Bah, que devient l'aluminium quand on le chauffe? Hein? Aussi résistant qu'il soit, ils font, comme mon cœur, tiens, qui se consume devant ma villa. Et qui est-ce qui a pu incendier ma villa? Personne. Regarde, il fait déjà sombre. C'est comme le soir avec le père s'assit, après que le soleil fut parti. J'ai peur. Quel danger, ce noir! Pourquoi ne s'intéresse-t-il pas aux choses qui me passionnaient, hein? C'est ça, un ami. Ah, il préférait bavarder avec ta fille, hein? Est-ce qu'il avait du mal de moi? Il disait du mal de moi, oui. Et puis, elle est tombée amoureuse de ce type. Il était tout le temps dehors. Il a cessé de venir. Est-ce que je me trompe, non? Oui. Est-ce que l'ami s'est arrêté de venir à l'appartement? Oui, il a cessé de venir à l'appartement, mais il semblait très amoureux de ta fille. Hein?
De qui est-ce enfin cette fille? Elle est de toi ou de moi? De toi? C'est moi qui l'ai mise au monde. Mais c'est toi qu'elle aimait. J'en ai été jalouse. Tu l'embrassais si tendrement pour lui dire bonne nuit. Et tu ne pouvais te dormir avant qu'elle ne soit rentrée. Chaque matin, 16 années de suite, tu lui préparais son petit déjeuner. Car elle n'aimait que le tien. Tu voulais qu'elle fasse des études de physique? Elle les a faites. Elle travaillait pour te faire plaisir. Souviens-toi des nuits blanches passées, tous les deux ensemble en vous promenant sous le marronnier. C'était du temps de la perte de ton travail. Pour toi, il n'y avait ni place, ni emploi. Elle comprenait la vie à travers toi. Elle voulait comprendre ce qui détermine mon existence. Et où se trouve cette chose qui aujourd'hui m'enlève l'emploi? Et demain, je suis plus rien, rien. Comprendre cette machine compliquée du pouvoir. Elle voulait que je lutte contre elle et que je réagisse contre elle aussi, que j'exprime mon mécontentement, que j'ai le pouvoir. Parce qu'elle croyait en toi, en ton intelligence et que tu ferais quelque chose de génial. Elle voulait pénétrer dans cette chose unique là, dans ma foi. Comment? Pourquoi? Pourquoi on passe dans l'opposition? Et on reste des années. Et puis un jour, on se résigne. C'est alors que tu l'as emmené. Tu m'as dit, prenons notre marronnier rose. Ah oui. Celui qui fleurit là, le premier au printemps. Ah, c'était notre préféré à l'époque. Il fleurit parce que... il y a une conduite d'eau qui passe tout près, d'eau tiède, qui passe tout près des racines. Oui, moi je le savais ça. Elle? Non. Je lui ai demandé, et crois-tu que cette année, comme les autres années, le marronnier fleurira le premier? Ah ben oui, oui qu'elle m'a répondu, il fleurira, parce que je veux le croire, moi. Mais... est-ce qu'il fleurira? Ça, je le sais pas. Tu te rends compte? En même temps, il va fleurir et il va pas fleurir. Je crois et je ne crois pas. Je veux, je ne veux pas. C'est ça leur langage. Après tant d'années d'études, notre fille, elle sait pas parler. Non, mam. Notre fille... elle est restée illettrée. Peut-être parce que tu l'as chassée trop tôt de la maison. Ah, mais parfois elle est illettrée, mais parfois elle fait que citer. Notre fille, elle est qu'un manuel. Eh bien, c'est d'être transférée d'une grande école à l'autre qui l'a rendue sotte. Mais au début, quand elle était petite... elle était intelligente, très intelligente. Elle savait s'exprimer. Et peut-être que ça lui reviendra, non? Peut-être, peut-être, peut-être. Ça suffit, papa. Hein? N'y pense plus. Assez de souvenirs, tu bégayes déjà. Tu recommenceras avec tes debout, coucher, marcher. Hein? Arrête. Cesse de penser. Mam, c'est toi qui recommences, arrête. Moi, ça ne m'intéresse pas. Oh, mais arrête, moi, ça m'intéresse pas, je connais. J'oublie. Mais j'oublie aussi. J'oublie. Oh. Il fait si noir. Viens plus près de moi, pape. Ah oui. J'ai peur, mais j'ai peur de marcher. De marcher sur ces cendres brûlantes de la maison, ma maison qui a brûlé.
Je vais me brûler les semelles. Alors bougeons nos fauteuils en même temps. Approchons-nous. Oh, c'était un bébé si mignon quand même. Après sa naissance, tu racontais à tous tes amis qu'elle était son petit nez. Son tout petit nez, ses petits doigts aux mains, aux pieds, comme une vraie petite personne. Oh, elle t'étonnait vraiment. Ah, ça, je me souviens plus. Oh, tu te souviens plus? Non. Oh. Un soir, celui où le père Sassy me parlait des résidences secondaires, eh ben, elle récitait un poème. Est-ce que tu te rappelles de ce poème? Attends, quelque chose sur l'amour. L'amour, l'amour. Ah, tu l'as embrassé alors? Oui. Toi, là, qui étais rarement câline avec elle d'ailleurs. Oui, c'était quand tu as ramassé les outils des ouvriers. Tu disais que tu allais tout casser, tout brûler, les brûler. Elle était là, non? Oui, elle était là. Elle revenait d'une excursion en montagne. Elle m'aidait, mais elle jetait tout. Et pourquoi? Et parce qu'elle était méchante. Méchante comme qui? Méchante comme toi. Voilà. Et tu, elle te ressemble. Ah, vous êtes toutes les deux comme des gouttes d'eau. Eh bien non, mon cher, c'est à toi qu'elle ressemble. Oh! Après, elle s'est amourachée. Ah, de qui? De l'affreux. Non, de l'affreux? Du demeuré, oui. Ah, celui qui se taisait toujours. Ah, il calculait. Ah, il nous achetait. Ah, il nous revendait. Et il nous réévaluait. Comme de vieux objets. Mais souviens-toi, ils sont venus une fois à la villa. Hein? Et pourquoi dis-tu ça d'une manière si abstraite à la villa? Dis plutôt, ils sont venus ici. Voilà. Nous sommes ici, nous, maintenant encore. Avec, je soupçonne, tout ce que je déteste avec notre fille. Je l'avais regardée, je l'avais appelée, priée tant de fois de venir pour respirer un peu la fraîcheur de la rosée. Et c'est uniquement pour ça que tu voulais qu'elle vienne ici. Ben, il fallait qu'elle nous aide quand même, qu'elle participe à notre joie. Il y avait tant de merveilles ici, avec ton nouveau tapis, tiens. Ah oui. Hey, la poutre aussi mal équarrie. Comme un tronc d'arbre au-dessus de notre lit. Ça me rappelle Zadkin. Mais elle préférait grimper sur notre rocher. Et finalement, quand elle est venue, elle a traîné avec elle ce drôle de type qui calculait tout cet estimateur de bien. Il est rentré comme chez soi. Oui. Peut-être a-t-il toujours la clé, papa. Oh. Qui sait s'ils ne sont pas venus? S'ils ne venaient pas seuls. Mais si vraiment ils ont mis les pieds ici, eh ben, ne serait-ce qu'une seule fois, c'est toi qui partiras. Ah oui. Parce que c'est ta faute, ah voilà. Oui. Ah oui. Oui, tu voulais dormir de temps en temps en ville. Oui. Et pourquoi j'en reste avec toi? Pourquoi moi je reste avec toi? Tu sais combien je suis sensible quand même. Tu devrais prendre garde avec mon cœur. Tu lis pas les journaux quand même? Hein? Avec à notre âge, on pourrait avoir un infarctus. Il y en a beaucoup qui en ont. Terrassé, dans la rue, dans le bureau, dans la résidence secondaire. Comme nous. Nous sommes des gens usés. Nous avions tant de projets. Ah, il y a eu tant de conventions. Nous ne pouvons aujourd'hui supporter de telles tensions. Comment as-tu pu admettre ce type? Tu veux dire ce minable? Ah, tu sais,
Mame, il attendait notre mort pour hériter de la villa. Hein? Pourquoi as-tu permis qu'il vienne ici? Mais c'est ta fille. C'est ta qui fille. Qui l'a emmenée. Ta fille, oui, la tienne. C'est parce qu'elle est ta fille qu'elle a choisi ce bon à rien. Un disciple heureux, intéressé, tombé amoureux d'une telle nullité. Vraiment. Comme il comptait, il évaluait. Il me semblait entendre les chiffres craquer dans sa tête. Moi aussi. D'après lui, certains objets n'avaient pas une grande valeur. Non. Soi-disant, ils s'étaient faits récemment. Mais le V de notre cave lui a plu. Hein. Bah, je les ai chassés. Je les ai chassés pour toujours. Et je veux plus le revoir. Non, jamais. Et elle non plus. Et ne parle pas de lui, qui est sans idéal et sans idée. Sans le moindre désir de faire quelque chose. Je lui ai demandé, qu'allez-vous faire? Tu sais ce qu'il m'a répondu? Ah, je vais construire une résidence secondaire. Oh, lui. Ah, il jetait des coups d'œil à la mienne en même temps. Et il m'a regardé comme si j'étais une potiche, tiens, un vieux truc usé. Ah, pour se rendre compte à quel point je l'étais déjà. Combien il te reste encore de temps? Et puis, il a bafouillé. Il a hésité. Peut-être je veux pas construire, non? Ta fille l'a regardé sans joie. Non, je ne veux rien savoir. Je les ai chassés. Il a pu venir ici sans elle. Ah, le salaud! Le salaud. Tu crois? Pour incendier? Mais non. Nous ne les avons pas vus récemment. Et ces dernières années, elle est peut-être plus amoureuse du même type. Hein? Qui sait? Nous pourrions lui téléphoner, la raisonner, nous occuper un peu de son éducation, non? De temps en temps, une petite conversation. 5 minutes. Pas ici, mais en ville. Essayer de savoir. Comment savoir? Et comment laisser la villa sans garde? Hein? Pour que n'importe qui puisse venir? Ah, il va venir l'incendier en plus! Avec ton inconscience, mais tu serais capable de tout! De tout démolir, de tout anéantir, mais c'est pas possible! La tranquillité, elle doit régner dans ma résidence secondaire. C'est fait pour ça. Je veux plus être dérangé. On entend si bien. Écoute maintenant le chant des grillons. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de mur. Maintenant, tout est plus près de nous. Comment ça? Il n'y a plus de mur, maman. Et où ils sont passés les murs, maman? Mais silence noir, les murs ont brûlé. Pape, maintenant nous sommes sans mur. N'importe qui peut entrer chez nous, n'importe qui peut pénétrer notre résidence secondaire, peut pénétrer dans ma villa. Non, personne n'y peut entrer dans ma villa. Je fermerai toutes les fenêtres et je calerai toutes les portes. Combien de fois t'ai-je dit, maman, éteins la lumière à l'entrée. Je veux pas que les vagabonds y voient et y s'arrêtent. J'ai peur, tate. Je ne peux pas y aller. Il y a peut-être encore des braises restées dans l'incendie. Et peut-être celui qui a mis le feu est-il caché là dans l'obscurité. Il attend qu'on brûle. Vas-y. Je ne veux pas brûler avec la villa. Je voudrais bien mourir. Vas-y. Je ne renonce pas à la mort. Mais vas-y quand même. Mais pourquoi brûler vivante, pape? Mais je sais pas. Va éteindre maintenant et puis on verra après. Mais pourquoi éteindre? J'ai peur, pape. Et si les serpents sont venus se chauffer dans les cendres encore chaudes?
Ils vont me piquer. J'ai peur. Ah, est-ce que tu vas éteindre? Comme tous les soirs, écoute, mam, oui ou non, vas-y. Est-ce que tu vas enfin accomplir ton devoir? Mais pape, la maison de campagne a brûlé. À quoi bon éteindre? Que la lumière reste! Quelqu'un passera peut-être. Non. Il viendra nous aider. Personne. Non. Les étrangers nous aider. Ah, ah. Ah. Bouge pas, je vais aller éteindre. Je me lèverai pour la première fois dans ma vie. C'est moi qui éteindrai. J'éteindrai la lumière dans ma résidence secondaire. Brûlée. Tu te rends compte? Bon Dieu. Et qui a mis le feu? Qui est ce monstre qui a commis cet attentat à la vie? Ne te lève pas, pape. Ne me quitte pas. Je ne veux pas mourir seul dans ces ruines. Et si tu ne revenais pas? Et si tu te sauvais dans cette tombe? De ses cendres? Ma villa! Et ma villa est brûlée! Ma villa brûlée, c'est une tombe! Ah! Ah, je commence à comprendre! C'est toi! C'est toi qui as mis le feu! Si! Toi! Eh ben, je vais te tuer! Tu es fou? Non! Et pourquoi t'as-tu fait ça, hein? Dis-moi là pourquoi t'as tué! Je vais te faire tuer par les autres! Tu es fou! Comment crois-tu vraiment qu'un être humain normal en possession de tous ses moyens, comblé comme je le suis, puisse incendier sa propre vie? Hein? Des amis? Des amis? Mais alors, c'est par jalousie, les amis! Avant, quand la maison n'existait pas encore, les meilleurs étaient contents, parce que nous possédions tellement moins qu'eux. Mais nous les envions pas à l'époque, et nous ne savions pas que c'était la jalousie. Mais je me suis dit, ils n'auraient pas dû posséder tant. Mais comme je ne pouvais pas les en empêcher, j'ai décidé de construire ma résidence secondaire. Plus grande, plus belle, plus riche que la leur. Ah, tu les enviais alors? Et toi? Avec les carreaux de la salle de bain que tu voulais noirs, comme ceux qu'ils avaient choisis. Tu n'en trouvais pas? Tu étais d'une humeur massacrante. Normal. Mais qu'est-ce que cela voulait dire, hein, pape? Oh. C'était de l'envie, pape. C'était de l'envie. Bah, de l'envie, mais non, c'était plutôt des raisons esthétiques. Uniquement pour ça. Et d'ailleurs, ma fille, elle m'aurait compris, elle. Ta fille. Elle croyait à tout ce que tu disais, à ton idéalisme. Elle était comme un petit nouveau-né. Elle est restée, d'ailleurs, moi. J'ai vécu avec toi et tes idées, hein. Je n'avais pas dessus la tête de parler de projets immenses pour tous et de vivre sans. Rien. Comment ça sans rien? Ah, nous avions même tout ce qu'avaient nos parents et nous l'avons gagné sans nous en être aperçus. Mais oui, c'était au début. Mais au moment où tout le monde voulait posséder plus, toujours davantage, une richesse, c'est comme la drogue. Tu sais qu'il ne faut pas, mais qu'il est nécessaire de posséder tant de choses. Alors, tu en as envie. La dose augmente et la mort arrive lentement. Mais, mam, nous n'avons jamais eu tellement faim, ni besoin d'argent. Ben, oui, au début. Mais plus je fermais les yeux, plus j'en avais envie. Oh. Et ça te faisait du bien aussi à toi. Oh,
Maintenant, j'ai plus rien. Nous devons mourir. Allez, ferme les yeux, Mame. Nous devons mourir tous les deux. Peut-être pourrais-je vivre sans résidence secondaire, moi. Hein? Hé, pape, je ne suis pas si vieille. Hein? Peut-être es-tu seule à vouloir mourir. Ah, mais autrefois, tu m'aurais jamais laissé seule. Hein? Jamais tu m'aurais trahi. Mais maintenant, tu me trahis et tu trahis ma villa. Ah, tu sais, je te l'ai déjà dit, mais avant de mourir, je te tuerai. Ne bouge pas, pape. Ne te lève pas, tu prendrais feu, tu brûlerais tout seul. Une petite braise va s'enflammer. Ah, en plus, t'es devenue une froussarde, hein? T'es une femme courageuse et résolue. Ah, quand est-ce que t'es devenue une froussarde pareille, hein? Maintenant, tu as peur, tu as plus peur qu'avant de me consumer entièrement. Ah, je m'approche de toi et je te brûlerai aussi avec moi. Ah, je t'ai souvent entendu dire dernièrement, fais attention, hein. Ne dis pas telle ou telle chose devant tous les gens. Est-ce que ce ne serait pas mieux de ne pas sortir ce soir? Ah, ils nous attendaient et ils parlent trop dernièrement, même si c'est en famille. Il vaut mieux ne pas leur rendre visite. Ha ha! Eh ben oui, j'ai bien remarqué tous ces changements. Lâche en toi! Ah, et toi? Combien de fois t'ai-je entendu dire « Oh, je suis très fatigué aujourd'hui, au bureau !» Mais on m'a dit « Signe ce petit papier et donne ce permis de conduire. C'est pour rendre service à quelqu'un que j'aimais, que je connais. Tu comprends ?»« Ah, oh, je ne voulais pas faire d'histoire, je ne voulais pas me battre, alors j'ai signé. » Et après, tu me disais « Allons, allons, allons chez nous à la campagne, maman, on y sera tranquille. » Hein? Où vas-tu aller maintenant, pape? Maintenant, il va falloir que tu meurs réellement. Ah, tu sais bien, je devais faire que ce que je voulais pas. Ah, la vie, elle est devenue une telle querelle. Sale, sale. Mais hier, il me demandait des services, des services. Mmh. Pas net, non. Je pouvais pas ne pas l'aider. Ah, mais c'est quand même un ami. Mmh. Il menaçait, hein. Toi aussi, t'auras besoin de mes services. Mmh. Comme j'ai pas pu rentrer dans ce jeu pour m'échapper, je suis venu ici. Ah, et le père Sassi m'a bien accueilli. Je me suis senti si bien, tellement à l'aise. Et lui, il voulait pas de moi, ces saloperies, non. Non, non, tout ce qu'il voulait, c'est que j'habite ma résidence secondaire. Ah oui. Et il était en train de me la construire pour moi. Eh oui. Il te paye. D'accord. Mais pourquoi te tracasses-tu alors? Ah, il me dit ça et je lui ai simplement donné définitivement mon accord pour la construction. Et voilà ce qui est arrivé. Et maintenant, hein? Ah, ah, ah. Eh ben, il n'y a plus de maison. Mais que tu étais... Au début, hein? Plus malin que tous, tu me disais, personne ne pourra me trouver ici, m'obliger à abandonner mes idées, me faire chanter, me blesser. Et tu t'es installé, hein? Tu étais fier de ta petite ruse. Hein? Le père Sassi était devenu ton meilleur ami. C'est par lui que nous avons connu la douceur des petites joies de la possession. Le goût de bois, l'eau de vie, le soir au coin du feu. Mmh. Mais jusqu'alors, nous ne savions pas comment faire la fête. Non. Mais je me suis senti offensé par tout le monde. Tu as dit non à tout le monde. Et j'ai quand même besoin du père Sassi, je l'ai rejoint. Mais tu t'es caché auprès du père Sassi. Ce n'est pas moi qui ai eu peur, c'est toi. Petit Foussard, mon petit Foussard qui travaillait pour ma villa.
Mais qu'est-ce que tu écoutes? Moi, j'ai toujours été gentille avec Madame Meyer. Mais pourquoi ne nous aimait-elle pas? Un jour, elle est venue me dire: cessez de faire semblant de vous donner des airs de gens honnêtes. La Providence vous punira, vous êtes comme des enfants gâtés. Est-ce qu'on est des enfants gâtés, pape? Hein? On leur fourre de bonnes choses dans la bouche. Est-ce qu'on nous fourre de bonnes choses dans la bouche, pape? Hein? Ils les recrachent. Est-ce qu'on les recrache, pape? Hein? Vous avez tellement bavé, vous vous êtes couvert de crachats. Hein? Voilà. Vous dites que vous avez tout. Tout ce qu'il vous faut. Vous avez besoin de rien, vous n'avez besoin de rien, vous avez lutté et qu'aujourd'hui, ça vous suffit. Que seul compte vos idées. Mais pourquoi êtes-vous comme ça, si gonflé à bloc? Hein? Comme si c'était d'une grande dignité de vivre comme vous. Mais voilà. Parce que la théière chinoise. Les gens, eux, ils savent vivre. Vous n'avez que cette vie-là. Elle est si maniérée que si je devais y vivre, j'y mettrais le feu. Pour nettoyer le terrain. Pour qu'on ne m'empeste pas à votre idéalisme. Et quelle possibilité avez-vous devant vous? Vous pourriez faire une carrière, monter un grade, devenir de plus en plus riche. C'est simple. Tu me rends un petit service. J'en rends un autre. Et les autres, ils te le rendent, et c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. Ah ah, je mettrais le feu. Mais alors, c'est toi qui m'as incendié notre ville-là. Ils devenaient de plus en plus hostiles à notre égard. Hein. Ah, ils ont dû voir l'incendie. C'est étrange aussi qu'ils ne soient pas encore venus, eux, qui sont toujours les premiers à questionner. Et l'ami, et votre fille. Ah, tout ça, ils nous auraient dit, mais depuis combien de temps la villa brûle-t-elle? Ah, des jours et des nuits. Ah, depuis, personne s'en est aperçu. Non, non, non. Est-ce que la fumée est si épaisse et elle couvrait pas tous les alentours? Est-ce que l'incendie ne rougeoyait pas comme un nouveau-né, un nouveau soleil après le couchant? Ah oui. On n'entend rien. Qu'allons-nous faire maintenant? Quel silence, sombre. La mort arrive, froide, indifférente, silencieuse. Que la soirée est chaude. Pourtant, elle devrait être froide. Tout devait cesser de vivre. Disparaître d'un souffle. Disparaître. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Perdre ma résidence secondaire? Je suis déjà morte. Et qu'est-ce que c'est mourir? Mon ami parlait souvent de la mort au combat. Mais c'était la vraie mort, Tate. Et il me disait que c'était un homme mort, une bonne mort, oui. C'était la vraie mort. Et ça l'était pas. Dis, ma'am, cette mort-ci, elle est différente, hein. Et elle est différente de l'autre, non? Mon père aimait ton ami, hein. Car il jouait avec la mort. Il me disait que la mort est une belle jeune femme, toute chaude, qu'on est très, comme on est très sans idée. Et tout devient facile, car on est décidé alors de mourir pour elle, avec elle. Ah, ton père. Mais pour moi, la mort signifiait l'horreur. L'horreur de ne pas avoir exécuté ma tâche. La tristesse de ne pas avoir été là pour voir ce qui arriverait au moment où nous aurions à forger notre sort. Dis, tu me passes un petit morceau quand même. J'ai faim. J'ai faim. Oh, dis, n'en prends pas trop. Plus tard, la mort, c'était l'interdit de créer.
les années où je débordais de belles et si riches idées. Ah, la mort était devenue l'inertie qui glace la pensée. Arrête l'action. Nous étions tous figés. Elle se penchait sur moi à chaque fois que je me taisais au lieu de dénoncer ce qui n'allait pas dans le pays. Des milliers de fois dans ma vie, la mort, elle s'est penchée sur moi. Ah, tu as vécu déjà longtemps avec la mort à tes côtés, hein? Tu as commencé à t'habituer à sa présence. La mort a toujours été là. Tu étais sans cesse tendu, tu t'es forcé de t'éloigner dans ces moments-là de lutte. Quoi? Je me suis rappelé que tu me plaisais. Des efforts monstres. Quand tous ces vieux camarades de la résistance sont en train de mourir lentement, ils t'entraînent avec eux. Mais nous avons eu pitié d'eux. Nous les écoutions, nous étions leurs raisons, leurs excuses. Nous les voyons glisser doucement sur la pente. Au début, ils avaient l'air vivants. Jamais on n'aurait pu se rendre compte qu'ils étaient en train de changer, de devenir des mourants. Oh, ma'am, ils sont très bien portants, très très forts dans leur mort. Ils sont dangereux parce qu'ils sont contagieux. Ils veulent qu'on vive comme eux, riches, sans scrupules. Ah, sinon, ils nous tolèrent pas. Non, ils nous rejettent, eh oui. Dehors, dehors, c'est bien que nous ayons réussi. Peu à peu, sans qu'ils s'en aperçoivent, à nous arracher à eux, oui, à nous cacher. Ah, nous restons purs parce que nous sommes ici. Et les autres, ceux qui ne se sont pas laissés contaminer, comme nous, pape. Parfois, la nostalgie me frappe le cœur. Les pauvres, ils résistent. Oh, ne t'en fais pas pour eux. Ce sont des minables. Ils sont comme mon ami, ta fille ou ses amis. Tous des incapables qui savent rien faire. Ils grimpent dans les montagnes pour s'entretenir de leurs bêtises et ils vont croire qu'à 2000 mètres de hauteur, il est plus facile de trouver le moyen de changer le monde. Ah, courir les rues et tout casser, mais voilà ce qu'ils savent faire. Sans aucune idée établie, sûre, solide, qui les guide. Mais, pape, nos idées n'étaient pas tellement claires non plus à l'époque. Je me souviens qu'un jour, nous avons renversé la tenture de restaurant parce que les gens attablés ne voulaient pas participer à notre manifestation. Ah oui. Pour nous, c'était des bourges, ces gens-là. Hein? Oui, 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 oui. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font, hein? Rien. Ils ont même pas réussi à avoir une résidence secondaire. Non, 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 non. Quand ils sauront qu'un imperceptible désir peu à peu pénètre l'homme, tout doucement, lui apporte la tranquillité, eh ben, ils feront comme nous. Moi aussi, tous les jours j'allais et je travaillais, tous mes efforts, je recevais peu. Mais peu à peu, c'est devenu beaucoup. Alors j'ai compris. Grâce à toi, oui. Grâce à tous ceux qui se moquaient de nos idées. Pour qu'une société soit très différente et m'empêche d'expérimenter et de réaliser mes projets pour une économie qui servirait le peuple. Mes efforts étaient annihilé. Je commençais à séjourner dans cette ville-là où j'habite maintenant. Je suis bien, ma'am, n'est-ce pas, non? Oui, pape. Hein? Ah, j'y étais bien, bien. Mais à présent, je vais
mourir. Et pourquoi est-il si difficile de mourir, même? Dans le temps, on mourait beaucoup plus facilement. Pourquoi est-ce si difficile de mourir maintenant? Mais moi, je resterai, hein. Moi, je resterai, je vivrai, et je trouverai celui qui a incendié ma villa. Je vais l'exterminer. Mais, l'anéantir. Tu voulais pas admettre que quelqu'un l'avait incendié? Mais qu'est-ce que tu crois? Que ma main resterait étendue, sans vie, comme toi? Le jour se lève et tu sauras la vérité. Mais dis-la tout de suite, Mam, dis-moi. Je ne sais pas encore, mais j'ai des pressentiments, de vagues soupçons. Oh. En arrivant, j'avais un vague pressentiment, heureux. Je vous trouverai tout seul, pape, moi, sans elle. Pour une fois seul, sans elle. Qu'est-il arrivé? Comment s'est-il arrivé? Ne marche pas sur le plancher, tu te brûlerais. Ma petite mame chérie, une première attention pour ta fille après tant d'années de haine. Si tu étais venue pour nous insulter, tu peux t'en aller. Ah, nous avons assez de peine comme ça. Toi, t'as jamais gagné un sou. T'as jamais fait une économie. Et tu t'es jamais attaché à quoi que ce soit. Hein? Alors, chut. Si je l'étais à vous. Mais j'en ai marre de vous. Qu'est-ce qui t'ennuie pas, hein? Tu changes de profession comme de chemise, hein? Comme si tu avais appris comme toutes les professions du monde, hein? Avec le niveau moyen des connaissances qu'on demande, je peux travailler partout. Je suis ingénieure. Je pourrais bien aussi être avocate que architecte, avec une carte de visite. Mais pourquoi faire? Ouvrière? Il n'en est pas question. La vie n'est faite que pour des types à fric et à résidence secondaire. Voilà le monde où je vis. Si vous voulez de l'information. Tu pourrais t'exprimer autrement tout de même. Et tes amis? Est-ce que jamais tu te marieras? Il va falloir que je l'aime aussi. Que je tombe amoureuse comme Tatiana Donegin. J'étais une bonne élève, n'est-ce pas? Tout était comme dans un conte de fées au lycée russe. On valsait tous les samedis soirs, des coins de salle de classe. Les garçons nous regardaient avec des visages tendres de poètes, comme Lermontov nous épaulant. Je tombais amoureuse de loin, en secret. J'en pleurais en paroles de lui et la joie était totale. Puis est venue la vie. Dans le premier bureau où j'étais, je suis entrée. Le type s'est levé. Il est venu s'asseoir à côté de moi, sur le fauteuil. Il a glissé son regard sur mes jambes et m'a demandé « Tu couches ou pas ?» Oh là là, papote, raconte à tous ce que les hommes te disent. Mais tu ne te marieras jamais. Faisons un peu de sport. Tu devrais avoir honte de raconter tout cela devant ton père. Faisons un peu de sport, exerçons-nous. Tu vas voir que c'est bien, qu'il a dit. Ah, qu'est-ce que tu peux faire avec ce chiffon? Tais-toi. Ça ne nous intéresse pas, tes histoires avec les hommes. 20 ans de moins, 20 ans de plus, qu'est-ce que ça peut faire? N'empêche que cette société, c'est vous qui l'avez faite. La société n'a pas besoin de toi, pas plus que les rochers de la montagne que tu aimes escalader. Elle s'est attachée à quoi, à qui, à quoi, hein? Aux rochers. Voilà. Ce ne sont pas des humains, ça. Et votre villa, c'est un humain, peut-être. Mais au moins,
Je sais que là-haut, dans la montagne, on ne peut pas me tromper. Nous sommes attachés à la même corde. On est liés à la vie, à la mort. La solidarité, vous n'avez jamais su ce que c'était. Il y a des gens dans la montagne qui ont besoin de moi. Toi, pape, à qui es-tu nécessaire? Tu n'as plus de camarades. Et toi, mame, qui ne t'a pas oublié? Qui ne te trompe pas? Bah, c'est nous qui nous sommes coupés d'eux. Nous les avons quittés de plein gré. Nous sommes venus ici. Comme les autruches cachées. Vous ne voulez pas les voir transformés, mes camarades. Ils ne peuvent pas changer. S'ils changent, nous les écraserons. Ah, vous vous écraserez. Nos camarades, ils étaient comme les tiens. Mon père. Et pourtant, lui aussi, il avait sa maison. Mais ce n'est pas pareil. Une maison, tout dépend comment elle est utilisée. Ton père, lui, n'était pas esclave de la sienne. On faisait de la musique, elle était bourrée de monde. Tous discutaient, c'était viable. C'est moi qui suis comme ton père. Ses idées sont comme les miennes. Votre génération est gâtée, c'est tout. Pas la nôtre. La vôtre, parce que quelqu'un d'autre a pensé à votre place. Et c'est toi qui as le droit de penser. Et nous, on doit travailler. Ah ouais, combien d'efforts ont été investis dans cette résidence secondaire? Et toi, qui... Non, rien. Si tu veux pas vivre... ici, eh ben tu t'en vas, vas-y, pars, pars. Mais fous le camp. Personne ne t'oblige à rester dans ce pays quand même. Partir, ça ne sert à rien. Tous les pays se ressemblent, le même problème partout. J'ai des amis qui sont loin, mais leurs problèmes restent les mêmes. C'est ici que tout va se décider. J'aimais quand ton ami passait. Il croyait en moi. Il savait que j'étais capable de beaucoup de choses. Toi, tu ne sais rien faire. Tu ne sais que dire « je veux », « je ne veux pas ». Quel vocabulaire! Tu agis comme une petite fille gâtée et tu es déjà une femme. À ton âge, je dirigeais un journal. J'étais mariée. Tu étais né, hein? J'ai des soupçons, tu es capable du tout. N'est-ce pas? Puisque tu ne fais rien depuis longtemps, tu dis que tu travailles, mais à faire quoi? En quoi? Oui, je suis très grande et une gosse en même temps. N'est-ce pas, pape? Ah, ah non. Tu n'es que maladroite. Tu sais pas encore comment il faut faire. Tiens. Vous n'avez pas coupé le courant? Non. Tu sais, tu dois grandir. Hein? Tu dois encore beaucoup apprendre jusqu'à 30, 40, peut-être même jusqu'à 50 ans. Mais... elle a peut-être une idée, pape. Tu ne sais pas par hasard qui a mis le feu à la maison? Attention! Ne farfouille pas dans les cendres, sans nous dire. Mais qu'est-ce que tu cherches dans les braises? Oh! Il ne faut rien déplacer sans nous consulter, sans avoir notre consentement. Et notre accord. C'est seulement ensuite que tu auras le droit de regarder les cendres. Je dis regarder, pas toucher, hein. Puis il faudra réfléchir. Mais je sais d'avance que ça n'aboutira à rien. Nous ne pouvons l'accepter. Nous ne pouvons pas te laisser toucher aux cendres. Le moindre changement pourrait aggraver les choses. Comment pouvons-nous prendre un tel risque? Oh non! Surtout pas de désordre! Je ne suis qu'une gosse,
J'ai une queue de cheval, je ne sais rien faire, j'écoute mes parents. Vous ne comprenez rien. Ton ami Pape disait, le désir de créer, c'est comme l'amour. Il est vivant chez le vieillard comme il l'est chez l'enfant. Oh, il avait raison. La villa. Ma villa. La reconstruire. Il faut recommencer, hein. Hein, voilà une véritable possibilité pour toi, si tu veux. Sur vos ordres. Et... il faudrait arriver à me prouver quel est l'accomplissement de ma vie. Je préférerais faire le trottoir, apporter un peu de joie aux hommes. Oh mon Dieu! Mais tu ne peux pas parler comme ça devant ton père! Pourquoi pas? Oh. Une possibilité de ne pas dépendre de vous. Je la paye cher, mon indépendance économique. Oh! Quelle grossièreté! Oui, mais avec des petits retards de plusieurs années. Tu te souviens? J'aimais le football. Tu m'avais promis une balle. Tu me l'as acheté quand j'ai fini le lycée. Ah oui. Et je t'ai acheté un vélo aussi, non? Oui, je l'ai reçu hier. C'est toi, Pape, qui a tout décidé. Comment je devais vivre, ce que je devais apprendre, ce que j'avais le droit de faire ou plutôt de ne pas faire. Et maintenant, tu me hais. Toi? Pape, pourquoi me hais-tu? Tu ne vois pas que je souffre. Tu devrais au moins compatir à ma peine. Tu pourrais alors m'intéresser plus à toi. Je pourrais quand même exprès pour toi. Ouais, on s'occuperait de moi. On me créera des centres d'intérêt. On me créera des divertissements. Me marier peut-être. Mais je suis comme vous, comprenez-le. Je ne suis pas malade, je ne suis pas folle. Est-ce qu'un crime d'être jeune? Pourquoi me mettez-vous dans un coin, loin de vous? Et pourquoi me tapez-vous sur les doigts? C'est ça l'éducation d'après vous? Mais tu es désespérante. Nous aurions dû te garder à la villa, hein? Pour nous occuper de ton éducation, c'est vrai. Maintenant, est-ce que je te garderai? Sur les braises, peut-être. Est-ce que votre ami est là? Je voudrais lui parler. Il fait froid. Ta villa commence à refroidir. Il fait froid. Ouais. Essaye d'attiser les braises un peu autour de toi. Pape, si je te demande combien dure une vie, combien de fois on vit sur cette terre, tu répéteras, tu diras les mots du père Sassi, pas les tiens. Non. Tu n'as plus de mots à toi. Rien. Vous n'avez plus à rien. Rien du tout. C'est quoi l'amour? Et votre amour? Savez-vous aimer dans cette tranquillité? Ça vous arrive? Quand je me souviens, notre amour, il était dans les couchers de soleil. Il y a 20 ans, il était dans les nuits dangereuses, il y a 10 ans. Et puis après, la villa, elle est arrivée. Ah. Votre amour, il s'est calmé, il est devenu épais, il a grossi et s'est laissé aller. Avec ses cheveux gras et méchés, il est comme une personne que je n'ose pas toucher. Il me dégoûte, il me répugne, votre nouvel amour. Comment on pourrait s'aimer si la villa, elle surgissait, belle comme avant? Quel silence! Est-ce qu'on peut aimer sans raconter aux autres son amour? Je veux donner tellement ma tendresse à quelqu'un. Je veux tellement recevoir un petit peu de chaleur. J'ai tout raconté au meilleur. Il voudrait bien divorcer.
mais leur situation avant tout. Ils sont envieux, tu sais. C'est eux qui ont mis le feu. Les meilleurs. Oh. Quelle bêtise! Ils ne peuvent pas brûler, ils peuvent simplement s'approprier les choses. Celui qui a brûlé la villa est merveilleux. Mais les meilleurs, j'y oserais pas. Celui qui a mis le feu, c'est peut-être votre ami. Oh, ça peut pas être lui. Il est trop inactif. Trop mou. Oh, il nous aime. Oh, il peut pas nous faire ça quand même. Celui qui a mis le feu, c'est quelqu'un de fort et de courageux. Qui? Et tu l'approuves? Mais j'ai toujours dit qu'elle était folle. Mais je te hais depuis que... Depuis que tu t'es mis à construire cette résidence secondaire. Ce n'est pas seulement moi que tu hais, mais la vie. Laisse-moi te dire, pape. C'est moi, ta fille. Depuis si longtemps, nous n'avons pas pu parler ensemble. Te souviens-tu comment je balançais ton sac à dos quand au début de printemps, on allait cueillir des personnages bleus à la montagne avec Mam? On les regardait respirer sous la neige. Mais, dis... Mais pourquoi es-tu venue? Un jour, nous avons vu un petit anneau qui venait de naître. Les collines étaient couvertes de pivoine. C'était la liberté. Le monde entier était à nous et nous étions à lui. Tu me parlais des idées de grand-mère, donnais toutes ses forces à l'humanité. Ah, la grand-mère, elle était institutrice. Avec des cheveux blonds, elle était intelligente. Elle vous consacrait toutes les heures de sa vie. Ah, il y a eu un portrait d'elle, si belle à l'école, à côté de celui de Pasteur, le scientifique, et de Cyril, la méthode. Et méthode. Un portrait de la fragile institutrice de 20 ans, comme elle l'était à l'époque. Plus jeune que moi, elle savait ce que la démocratie voulait dire. Pape, pourquoi t'es-tu fâché quand j'ai amené cet homme ici? Que pouvait-il dire, lui qui n'a jamais fait de révolution, n'a aucune notion de ce qu'est la démocratie? Son seul but est d'avoir une voiture et le sens de l'humour. Alors la villa, c'est comme la cerise sur le gâteau. Allez, allez, arrête de te justifier, hein. Débrouille-toi. Aussi, hein, voyons un peu, hein, que ce que ça peut être. Quand on est seul, on tombe dans les bras de n'importe qui. Vous étiez déjà ici, en entier. Après, quand tous les deux vous avez parlé, tout est devenu si moche, tout s'émiettait. Tu crois? Ne pas attendre, faire ce qu'on a envie de faire, c'est le bon droit. J'ai voulu faire des choses, parler pour la première fois dans ma vie. Tu as haussé la voix, il ne fallait pas rire, il fallait attendre. Ce n'était pas le moment, mais ce moment, quand devait-il venir? Attendre quoi et combien de temps? Le déluge? Attention, ne bougez pas tant avec votre agitation. Vous allez changer les cendres de place. Après ça, j'ai commencé à me surveiller, à passer sous silence certaines choses. Je cessais de rire à haute voix. Et j'ai perdu cet entrain que les êtres libérés savent garder jusqu'à la tombe. Mais pape, tu es un bon père, très bon. Car tu as en toi quelque chose à qui tu ne peux plus hausser le ton. Non. Non. Tu serais pas venu ici hier. Dis. Ah non, 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 non. Non, t'es qu'une gamine gâtée. Tes caprices, tu les fais aux dépens des autres. Tu te cramponnes à ton cou comme une sangsue. J'essaye de me débarrasser, mais toi, tu suces mon sang jusqu'à la mort.
Mais c'est faux, je n'ai rien voulu de toi. L'argent, je n'en voulais pas, tu l'as donné à ta villa. À moi, tu m'avais donné une partie de toi-même, ton âme. Maintenant, tu appartiens à tout entier, à cette résidence secondaire. Mais elle est muette. Elle ne peut pas te dire ce que tu es et ce que tu deviens. Pape, nous étions amis. Pourquoi ne sommes-nous pas restés? Non! 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 Sais-tu encore rêver? Oh, du matin au soir, la nuit, tu sais ce que c'est la nuit? Je fais marcher les radios tout bas, j'entends la musique des pays lointains. Ah, voilà ton occupation, hein, pendant que je dors. Oh, les soirs, les rêves viennent. Personne n'est là et à te regarder. Je vis vraiment quand je rêve. Je suis libre. Mais c'est lâche. Et de quoi peut-on rêver? Quand j'étais petite, tu disais que seul l'homme libre, actif, peut faire des rêves. Je rêvais alors avec toi. Tu es une drôle de petite fille, tu sais. Tu étais superstitieuse et tu serais toujours un fétiche autour de mon poignet. T'avais toujours un fétiche autour de ton poignet et tu le serrais. Ouais. Je voulais que tout ce qu'on dise devienne réalité. Tu te souviens, pape? J'avais 7 ans, nous sommes descendus dans la mine. Un des mineurs m'a donné un petit caillou. Au soleil, il brillait. Alors j'ai fait le vœu que jamais plus aucun accident ne se produise. Oui, toute l'année, tu as tenu dans le creux de ta main cette petite pierre verte. Il fallait pas te l'enlever, non, tu l'emportais à l'école, tu mangeais avec, tu dormais avec, tu t'en séparais jamais. Oh, je l'ai encore, un jour tu m'as dit, fais-moi confiance, ce n'est pas un caillou qui te protégera. Les mineurs, crois-moi, je m'en occupe. Comment veux-tu que je te croie maintenant? Comment ça? Ouais, tu l'as encore. Et tu devenais de plus en plus audacieuse quand même. Tu partais en autostop, hein? Ah oui, avec des amis de la mer. Et peu à peu, t'as voulu mêler à tout et tout critiquer. Et toi, tu as commencé à me chasser. Tout le monde s'escrimait à te faire comprendre que je ne me rendais pas compte que j'étais toute jeune. Mais tu savais, pape, que j'avais grandi. Grâce à nos conversations, grâce à ta confiance en moi, tu m'as chassé d'ici pour que tes amis n'entendent pas nos divergences. Ah, il y a une éternité que je suis dans cette ville-là, brûlée. Et où étais-tu pendant tout ce temps, hein? Où? Oh, les cendrières. Ton frère, peut-être. Mais non, impossible, il est au Brésil. La vie. Regarde comment va la vie. Je veux participer dans cette vie-là. Pourquoi une obligation naturelle est-elle devenue inaccessible? C'est dans cette vie que je veux être. C'est dans cette vie que je veux vivre. Dans cette vie. Tu sais ce que c'est que d'avoir des capacités. J'en ai 100, 200%. Mais bon, il faut que je me contente de 5% de leur utilisation. Je connais un architecte très doué. Il voudrait travailler, faire surgir de lui des maisons où l'on se sentirait comme des gens enfin heureux. L'argent pour lui ne compte pas, il s'en fout. Il voudrait utiliser ses 100% de capacité et recevoir l'argent pour 5% de ses capacités. Quand on le voit, il se tait, il est fragile. Hein. Mais dans ses yeux, quelque chose bouillonne. Mais comment veux-tu qu'il agisse? Alors son énergie ne trouve pas l'issue et elle le ronge de l'intérieur.
Sa force créatrice se transforme en force sombre et c'est la cause d'une dépression permanente. Papette-le et donne-lui du travail, s'il te plaît. Mais tu essaies de faire pistonner ton copain ? Ah ah ! Hey, pas auprès de moi, non, non, non. Ni les bons, ni les mauvais. Vous buvez ? Nous buvons. Tu voudrais peut-être diriger, dominer, crier comme tu le faisais avant, hein, comme tu, quand tu vivais encore dans l'appartement. Hein. Tout anéantir. Ah, regarde notre villa, un miracle. Il y a tout dedans. Tu peux ne pas sortir des mois entiers, si tu veux. C'est tellement confortable en cas de guerre atomique. Les autres peuvent être anéantis, mais vous, vous survivrez. Au moins 3 ou 4 mois de plus. Ne dis pas de bêtises. On s'en occupe pour qu'il n'y ait pas de guerre atomique. J'aurais voulu être celle qui s'en occupe. Pense à toutes les belles choses qui existent. Hein? Un Magnolia, par exemple. Hein? Pense à toutes ces belles choses. Une sauvage aussi. Une sauvage aussi. Tout signe de civilisation la met en rogne. Oh, et puis non! À quoi bon passer toute sa vie à construire une villa? Et à la fin, quand elle est terminée, on s'y sent en sécurité et on meurt. On construit des villas partout sur la Terre. Et puis subitement, plus rien. Imagine-toi, tu es fatigué et en fonction de ta fatigue, naît quelque chose, une matière qui t'entoure mollement. Une lumière irisée pénètre de tous les côtés. On serait partout chez soi, sur notre planète et dans l'immensité du monde entier. Les gens se consacreraient alors à la création de valeurs bien plus humaines qu'à la construction d'une résidence secondaire. Et le doux confort de ma villa, les couleurs chaudes de mes couvertures en laine ne peuvent être remplacées par aucun spectre solaire. Il y a des gens pour qui la lumière du soleil est plus doux et plus confortable. Et maintenant tu veux nous faire mourir. Je voudrais. Mais tu veux sans cesse. Si pour créer il faut gouverner, je le ferai. Tu veux gouverner sans nous? Vivre? Suivre tes idées folles? De toute façon, tout recommencera. Les révolutions, c'est facile. C'est après que ça se complique. Je voudrais faire disparaître tous ceux qui m'empêchent d'être libre. Et si tes plans ne plaisent pas aux gens, hein? Et veux-tu les leur imposer quand même? Alors, où y sont tes principes? Je leur demanderai leur avis. Et pas à moi, n'est-ce pas? Vous causez. Moi, je ne vois qu'une chose, une seule chose. C'est cet incendie qui existe réellement. Voilà l'avenir. Te souviens-tu de ce qu'a dit le père Sassi le soir où vous avez commencé la construction de la maison? Oh, on a essayé. Ce cher Sassi, notre villa, a fait de lui l'ouvrier du bâtiment un artiste. Chez les Miller, il allait pour gagner de l'argent. Chez nous, il venait pour l'inspiration. Chez eux, il restait effacé. Mais chez nous, la moindre remarque le vexait. Attends. Pourquoi on ne pouvait pas purger l'eau des robinets pour l'hiver? L'inclinaison était insuffisante, je crois. Ces calculs, faux. Est-ce qu'il faut toujours souffler dans les tuyaux pour qu'ils ne pètent pas à moins de 7 degrés? À moins de 7 degrés? Oh, ils sentaient que nous cherchions la beauté.
Les murs, les meubles, les arbres sur sans les fenêtres. Je voulais de lui qu'il se complète dans un spectre parfait de couleurs. Mam. Tu te rappelles le trou dans le mur? Après qu'un des tuyaux a explosé, les voleurs n'avaient qu'à passer. Ah, je l'avais recouvert avec un calendrier à fleurs bleues. Mais il faut absolument que je le voie un de ces jours, hein. Je voudrais qu'il m'installe deux ou trois petits coins intimes, là, dans le hall. On pourrait en placer un à l'opposé de la lanterne. Ah ouais, sa lumière, elle me rentre dans les yeux. Alors, tu sais, l'autre, où je pourrais bien la placer? Ne te tracasse pas. Le père Sassi te trouvera ça. Pour votre argent, il fera quelque chose d'harmonieux même. Dans les cendres, avec des sentiments devenus des objets. Ça suffit! Le soir où il était ivre, pour une fois, il a dit la vérité. Bam, tu as pleuré, hein? Tu as pleuré! Ben, c'est justement ce que nous avons oublié. Il a dit que tous les couples pour lesquels il a construit une résidence secondaire ont fini par divorcer. Ah oui, c'était ça? Mais nous n'avons pas divorcé, hein? Non. Ah non? Vraiment pas? Non. Non. Non, non, tu vois, mam, on a résisté. Vous ne vous aimez plus, car vous me haïssez. Et j'étais le fruit de votre amour. Mille fois, vous me l'avez dit. Puis divorcer, c'est pour les bourgeois, ils n'ont que ça à faire, disiez-vous. Peut-être une petite étincelle reste en vous, sinon vous auriez divorcé. Comme de toute façon, les paperasses judiciaires vous impertaient peu à l'époque. Ah, attendez, ce n'est pas ton rôle de définir, là, quels sont les rapports entre ta mère et moi. Non, c'est peut-être celui du père Sassi. Non. Tu oses dire ça. Avec ton voyou, et qui tenait à toi, uniquement pour avoir ma résidence secondaire, enfin. Un vrai linceul, ce silence. Depuis des siècles, il règne. Vous a englouti, nous a engloutis tous. Tu n'as pas besoin de ce torchon. Mes copains de lycée sont devenus des jeunes cadres dynamiques, gros et roses. Ils se moquent de tout. Et leur boulot, c'est d'empêcher les autres d'accaparer leur place. D'autres ont mieux trouvé leur compte en devenant flics. Les filles, elles, on n'en parle même pas. Elles s'en foutent. Un type, un autre, un boulot. Un vrai bowling. Ah, et que veux-tu faire avec cette torche, hein? L'allumer? Eh ben, c'est même pas la peine. Tout a brûlé. Je l'allumerai. J'irai de propriété en propriété. Je demanderai, voulez-vous que je mette feu à votre résidence secondaire? Peut-être trouverai-je quelqu'un qui, jusqu'ici, a eu peur de le faire lui-même. Quand il verra le feu de ma torche, il aura le courage de dire « Allume, vas-y, que ça flambe !» Et les villas au pied de la montagne flamberont. Vite au chat illuminé le soir, au coucher du soleil. Ça sera beau, n'est-ce pas, pape? Ah, les gens ont construit leur résidence au pied de la montagne. Ils se sont donné de la peine. Hier, j'ai compris qu'il fallait réagir pour nous sauver tous. Je voulais faire quelque chose de fort, me prouver que je n'étais pas lâche. Je voulais vous sauver, parce que je vous aime. Je suis venue ici et... j'ai mis le feu. Toi. Hey. Et parce que tu nous aimes. Mais vraiment. Je ne sens d'amour. Non.
J'en ai pas besoin de ton amour. Mais rends-moi ma résidence secondaire. Rends-la-moi. Ton amour? En prison, pape, mais là, en prison. Je te tue. Ah, tu veux m'imposer ton amour à moi et tes idées. Ah, mais je vais te brûler. Mais je vais te faire cramer, tu brûleras. Et comme ma villa. Ah, dis donc, laisse-moi. Maintenant que tout a brûlé, on peut être libre, on peut créer, on peut s'aimer, pape. Oh. 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 Ah ben. Non, non. C'est grave. Oh, que c'est grave. Ouais. Elle a fait plus fort que nous. Ouais, ouais. Ah oui. Oh, c'est plus facile de cramer que de construire, hein.